édition du Festival Fringe. Aujourd'hui, c'est l'émission, l'édition spéciale des Folies Fringe! Ouais! Le Festival Fringe, en fait, c'est... Fringe, moi, c'est des entrevues, c'est des performances, c'est des surprises de tout ça. C'est de l'inattendu, de bon goût, par contre. En fait, c'est du direct, mais pré-filmé avec montage préférablement. Et alors cette année, on a deux gros scoops. Le premier, c'est qu'on vient d'avoir un défi lancé par Amy Blackmore qui nous a demandé de voir tous les spectacles du Fringe. Alors on s'engage à voir tous les spectacles Fringe, on espère pouvoir. Et le deuxième? Le deuxième scoop, c'est qu'on vous invite à participer à une chose exceptionnelle cette année qu'on va animer. C'est le mondial, le cinquième mondial de Proud Dinner, le fifth Mac and Cheese! World Championship! Alors, si vous voulez participer, oh oui, si vous voulez participer, il reste encore la place. Bienvenue à l'émission Fringe Moi! Merci, Belzébrut! Hey, merci! Oui. On est Belzébrut! Oui. C'est la première épisode de la troisième saison. Exactement, de l'émission Fringe Moi. Et aujourd'hui, c'est un spécial de Folie Fringe. Et on a beaucoup, beaucoup de choses dans l'émission. Entre autres, Caroline? Eh bien, on va avoir des invités tels que Amy Blackmore, Marc Bourdage, et puis les deux porte-parole qu'on vous présentera plus tard dans l'émission. Exactement! Et Eric, mais qu'est-ce que c'est ça, les Folie Fringe? Je te voyais venir. Alors, les Folie Fringe, en fait, c'est un moment où toutes les compagnies sont invitées à venir présenter un 2 minutes. De leur spectacle pour le vendre, en fait. Et on fait ça devant les journalistes et devant les festivaliers. Alors, c'est un moment très, très intense pour les artistes parce que tu as 2 minutes pour vendre ta salade. Et on le fait à quelques reprises, puis c'est ça, c'est quelque chose, c'est un moment unique quand même parce que tu sais pas qu'est-ce que ça va donner, ça passe ou ça casse, de montée d'adrénaline, c'est quelque chose. Et on va vous présenter, en fait, quelques extraits des moments forts de la soirée. Et il y a des petits bijoux, regardez ça. C'est un peu la folie, c'est la folie fringe, donc il y a beaucoup de choses à voir, à regarder. On va essayer d'aller trouver des artistes qui veulent bien nous parler. C'est bon, on peut y aller. C'est tout nu. Oh, ils sont là, ils sont là. Oh, ils sont là, ils sont là. On entre dans la loge, on entre dans la loge. Ok, parfait. Okay. On entre dans la loge. C'est même pas qu'est-ce qu'elle a à faire. Comme quoi que c'était vraiment pas arrangé, elle remontait encore ses culottes. Ben, on voulait venir vous dire bonjour avant le début des Folie Fringe parce que vous êtes les nouveaux animateurs des Folie Fringe et de la 13e heure. Alors, pouvez-vous vous présenter à la caméra? Ben, je vais laisser les demoiselles se présenter en premier. Oh, c'est pas galant. Ben voilà. C'est pas galant. J'ai de la classe, moi. En tout cas. Ben, moi, c'est Kat Lemiard, hein? Puis, en effet. On se demande pourquoi. Moi, c'est Kiki Uraza. C'est Guidou. Oui. C'est Guidou. C'est incroyable. Elle parle le français. Oui, mais oui. Polyvalente, cette femme-là. Polyvalente. Voilà. Et moi, je me présente, je suis Philippe Fairbanks. Mm-hmm. Et voilà, ou Juste Banque en français. Oui. Et puis voilà, je suis amateur de théâtre. Et là, comment qu'on se sent à quelques minutes? Ça commence à bourdonner, là. Oui, on va rentrer en scène bientôt. On allait justement chercher un breuvage, là. Ouais. On vous a bloqué l'accès. Alors, c'est un gros passage, mais vous êtes quand même assez nombreux. Oui. Vous êtes carrément bloqué le passage. Et qui, finalement? Ouais. Bon, on vous souhaite bien. Puis, ben oui. On va se revoir. Ben c'est bon de souhaiter merde. Merci beaucoup. Rockstar là-bas, il y a quelqu'un qui fait toujours des spectacles, c'est la musique rock, on va la trouver, Stéphane Cédier. Il y a un nouveau show cette année. Hi, Sid. How are you? So bad.
Max in town to promote his Fringe show. Hey. C'est quoi son Fringe show? Vicious Circus. Do yourself a favor and come to the main line theater. It's a nice outfit. Thank you very much. Yes. Vivienne Westwood herself. Avec lui à mes côtés, il n'en reste jamais. C'est écœurant, je peux pas laisser de ça deux minutes. Les speed, les roues, mon pop, tout y passe. I understand what he's saying, but I heard speed. Any of you got some? Oh, on en parle à Canadu. Qu'est-ce que vous présentez? Ça, on présente un extrait de Malheureux Malurette, un théâtre musical d'époque. J'ai vu votre flyer, ce qui est magnifique. Il est beau, hein? Pour confiture. Pour chaque jour, c'est avec. Journaliste. Pensez à nous quand vous mangez le matin. C'est Cordélia, notre mère, c'est cette confiture-là. Oui! Hey, vous êtes vraiment fin. Avec la bière, ça va être vraiment bon. Ah! Yeah! C'est cœur, hein? Ah oui, c'est pour toi. Puis, on partage ça. Déjeuner ensemble, ça crée des liens. Puis, on avait tant. Well, hello. How are you? I'm so good. How are you? Yeah, so are you showing... We are showing Alice in Wonderland. Oh, yeah. Here it is. Would you like one? Yes, we would. Oh, yeah. We would. Oh, you want one too? Yes, pick a card. I'm not looking. Oh, it's a three of spades. I'm so glad you see. So where are you playing? Where are you? We are playing at La Chapelle Theatre. Oh no, that one is done. Il y a quelqu'un qui est tout en sang. On veut savoir qu'est-ce qui se passe. I killed a lot of zombies. Yeah. Your Apocalypse Solo, Mainline Theatre Venue 6. Okay. Oh, you killed that zombie over there? I killed them all over the place. Yeah, wherever they are. Not a show. C'est incroyable, il y a vraiment beaucoup de zombies cette année au Fringe, c'est dans l'air. Je pense que ça sent la fin du monde. Serving something à l'espace 4001. Yannick est ici, je l'ai écrit et c'est dirigé par Kim Nelson qui est juste derrière la caméra juste là. Hey, c'est quoi le spectacle que vous présentez au Fringe? Nous, ça s'appelle En long and in short et c'est un spectacle bilingue avec de la folie, de l'humour, de la musique. On rit en fait beaucoup des conditions de la femme, mais c'est plus que ça. C'est juste du gros fun. Ben, on est là pour ça. Excellent. On va essayer d'aller voir. Ben, on va pas essayer, on va ben là, voir là, ça. Ce soir, vous allez voir un petit bout non-verbal. Oui. Ça va donner une petite idée de ce que c'est. Mais c'est le seul numéro non-verbal qu'on a. Fait qu'on s'est dit, on va faire ça en soirée. C'est parti.